All right, so je me présente. Moi, c'est Kimberly Anneau. Je suis de la région de Edmundston. Je suis coordinatrice éducatrice communautaire pour la santé mentale avec l'Association canadienne de la santé mentale. Donc, dans le chat, on a mis le petit link pour aller sur notre page YouTube, pour aller subscriber les vidéos. Tous les webinaires qu'on a faits sont sur YouTube. On a aussi notre page Facebook. Vous pouvez aller voir, aller liker. On partage plein de choses sur la santé mentale, des choses qui peuvent vous aider aussi dans les temps durs qu'on vit présentement. C'est pas mal ça. Si vous avez des questions, posez-les dans le Q&A, pas dans le chat, parce que des fois, s'il y en a, je peux peut-être bien les manquer. Fait que posez-les là. Je vais les répondre à la fin, après la présentation. Puis on va avoir aussi un sondage à répondre à la fin. Attendez que je quitte le webinaire pour que vous puissiez le remplir par la suite. Alors, aujourd'hui, on va parler de la dépression et les troubles de l'humeur. On a été fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale, donc qui est ACSM. On est un organisme caritatif national qui aide à préserver et à améliorer notre santé mentale de tous les Canadiens et les Canadiennes. Puis, à titre de leader de champion national dans le domaine de la santé mentale, l'ACSM va faciliter l'accès à toutes nos ressources communautaires dont les gens vont avoir besoin pour renforcer leur résilience puis appuyer le rétablissement à la suite d'une maladie mentale ou qui connaissent quelqu'un qui a vécu avec un problème de santé mentale. Donc, on a nos bureaux à Fredericton, Moncton, puis à Saint-John. Comme que j'ai dit, notre programme, c'est coordinateur en éducation communautaire à l'échelle provinciale. On donne aussi des workshops comme Working Minds Together, qui est Travaillons ensemble nos mentalités, Changing Minds, Changeons nos mentalités, puis Living Lives to the Full. Donc, vivre notre vie pleinement. Fait que je vais commencer ça. La dépression et les troubles de l'humeur. Bon, fait que là, j'ai un petit paragraphe à vous lire ici. La dépression clinique est définie comme étant une dépression durant des semaines, des mois, ou même ça peut aller jusqu'à des années. Les symptômes vont varier d'une personne à l'autre. Il y en a que ça va être léger, il y en a que ça va être modéré, puis il y en a que ça va être plus prononcé. Cependant, la plus grande différence entre un épisode ordinaire de tristesse et de dépression clinique consiste au fait que cette dernière, les symptômes sont présents la majeure partie de la journée, tous les jours pour une période d'au moins 2 semaines. C'est normal de filer des fois, on dit, ah, je suis depressed aujourd'hui, tu sais, je suis plus down, je suis plus. Tu sais, des fois, tu te réveilles le matin, c'est pas nécessairement une bonne journée, tu as de la peine, de la colère. Des fois, tu sais juste pas trop pourquoi, mais le lendemain, ça va être mieux. T'sais, le lendemain, tu te sens mieux, tu es comme, bon, c'est avec une petite pause. Mais les gens qui souffrent de dépression, eux autres, ça va être consistant toute la journée. Il y en a des fois qui sont comme déçus de se réveiller le lendemain, puis ça va continuer de même pendant 2 semaines. Puis si ça dure plus que 2 semaines, là, on est dans une dépression. Une dépression, ça peut durer bien longtemps. Il y a des symptômes aussi. Il va avoir une attitude plus agressive. C'est une attitude qu'on va avoir comme tu vas pas voir ça habituellement chez la personne. Sensibilité émotionnelle, va pleurer toujours pour aucune raison. Il va avoir une baisse de libido, des maux de tête, douleur au ventre, douleur au dos, un sentiment d'être vide. T'as plus rien, t'as plus rien par en dedans. Zéro motivation, puis tu sentiras. T'as l'impression de plus rien sentir. Donc, ça, c'est qu'est-ce que la dépression? À quoi ressemble la dépression? C'est un trouble de l'humeur. C'est un sentiment de tristesse, de dévalorisation, de désespoir, puis de culpabilité ou d'anxiété. C'est une sensation d'irritabilité ou de colère, une perte d'intérêt et un repli sur soi. Un manque de concentration, c'est une perturbation des habitudes de sommeil et d'alimentation. Des problèmes possibles de santé physique. Il y a des moments dans notre vie qu'on va se sentir déprimé, ça c'est normal, puis c'est des sentiments qu'on va ressentir. Puis ça, c'est très important de vivre nos émotions. La dépression majeure, c'est pas juste un changement temporaire de l'humeur. Ça va être de quoi qui va requérir des traitements médicaux, des soutiens, n'importe quoi. Puis il va avoir des symptômes. Il y a des symptômes émotionnels. Tout en triste, la tristesse, un sentiment de dévalorisation, pensée suicidaire. Quand on parle de dépression,
on voit beaucoup des gens qui sont suicidaires puis qui ont des pensées suicidaires. On dirait que ça va ensemble, dépression puis les pensées suicidaires. Un manque d'intérêt, un manque de plaisir, ça ne tente plus d'aller voir ses chums, ça ne tente plus d'aller nulle part. Il y a des gens qui veulent juste se coucher, puis dormir, puis comme passer ça. Ils vont se réveiller, ils vont avoir zéro motivation, ça va être ça, la vie d'une personne qui est dépressive. Il va avoir des symptômes physiques, une énergie peu élevée, manque d'énergie, sans vouloir dormir, il va pas faire des siestes. Mais des fois, ça peut faire le contraire aussi. Des fois, la nuit, tu fais de l'insomnie, tu ne dors plus. Déficience psychomotrice. Tout est au ralenti. Comme les mouvements vont être au ralenti, tu vas poser une question, on va te répondre au ralenti. Fait comme est au ralenti. Tu vas avoir des douleurs, des maux de tête tout le temps, maux d'estomac. Les personnes auront un trou dans l'estomac. Souvent, les gens mangeront plus ou moins. Puis, c'est ça. Dans les changements, et tu peux avoir aussi l'insomnie ou l'hypersomnie quand ce que tu fais la dépression. L'hypersomnie, c'est que tu vas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dormir. Puis, l'insomnie, c'est que tu dors juste plus. Tu dors pas, tu as de la misère à dormir. Tu es dans ton lit, tu as les deux yeux grands ouverts. Puis, on a tous vécu ça, là. C'est fatigant quand ce que tu es chez vous, tu es couché, puis tu ne peux pas dormir, là. Fait qu'imaginez des gens qui sont sur la dépression, sont de même tout le temps. Puis, il y a les symptômes comportementaux. Ça, c'est un changement sur le plan d'alimentation. Ils mangeront plus. Qu'est-ce qui va être là, tu sais, des fois, leur lunch préféré, ça va ressembler à rien pour eux autres. Ça ne les intéressera même plus. Ils n'ont même pas mangé leur repas préféré. L'impression d'agitation, de nervosité, manque d'intérêt dans les actes sociaux. Donc, s'ils sont impliqués dans la communauté ou s'ils sont impliqués dans différentes activités, ils iront plus. Ça ne leur tentera plus. Nier leurs chums, leurs amis, leur famille, ils vont mettre ça de côté, ils vont tout mettre de côté. Négligence sociale puis la négligence de soi. Des fois, ils ne prendront plus leur douche. Si que c'est un homme, on peut voir ça souvent, il ne se rasera plus, il ne coupera plus ses cheveux. Une femme, elle va se laisser aller. Tu peux voir, mettons, on a repoussé qui est ça de longue. La personne ne se lavera pas, un manque d'hygiène. T'sais. Tout qu'est-ce que, mettons, on faisait avant. Elle se prenait soin, elle se faisait peut-être ses cheveux, ses ongles, elle allait chez l'esthéticienne, là, il n'ira plus. Puis, ça peut amener à une hausse d'abus d'alcool ou de drogue. Puis, l'alcool, c'est un dépresseur. Donc, quelqu'un qui va consommer beaucoup, beaucoup d'alcool dans une dépression, ça peut devenir très dangereux. Puis, les symptômes cognitifs, qui est mentaux dans le fond, c'est de la difficulté à prendre des décisions. Puis, tu peux pas, tu as de la misère à te concentrer. Tu peux pas prendre une décision sur le pif comme ça. Il faut que tu aies quelqu'un avec toi qui va t'aider à prendre une décision parce que souvent la personne qui est dépressive pourrait prendre une mauvaise décision. Qu'est-ce qui est à l'origine de la dépression? On a les facteurs génétiques, biologiques, psychologiques et les facteurs environnementaux. Facteurs génétiques, la dépression, c'est héréditaire. Donc, si qu'il y a quelqu'un dans ta famille, parents, grands-parents, qui ont vécu des épisodes de dépression, c'est héréditaire, donc tu peux être à faire une dépression dépendamment des événements que tu vas vivre dans la vie. Les facteurs biologiques, ça c'est un déséquilibre chimique. C'est une substance naturelle qui est appelée des neurotransmetteurs dans le cerveau, puis dans la moelle épinière. Puis c'est la sérotonine et la noradrénaline. C'est deux neurotransmetteurs qui sont associés aux symptômes de la dépression. Les facteurs psychologiques, ça va tout dépendamment de la manière que la personne va penser. Si que c'est une personne qui est plus positive dans la vie, elle va avoir moins de chances de faire une dépression. Si c'est quelqu'un qui est plus négatif, là, on a plus de chances à voir une dépression chez cette personne-là. Ça dépend aussi de la situation que la personne a subie, ça dépend comment elle a été élevée. Si c'est une personne qui a subi de la violence physique ou émotionnelle à la jeunesse, ou que c'est quelqu'un qui a perdu un proche jeune, mettons, à 10 ans, l'enfant a perdu sa mère ou a perdu son père, ça peut être, en grandissant, peuvent développer des symptômes de dépression, si qui n'ont pas été consultés ou si qui n'ont pas été vus par un médecin ou suivis à la longue. Ils sont en plus grand risque de dépression. Puis aussi, les femmes sont deux fois plus susceptibles de faire une dépression en cause des hormones, les menstruations, la naissance d'un enfant.
Ça, on voit ça souvent quand la femme vient de donner naissance. Les 2, 3 premières semaines, c'est beau, mais après ça, premier, 2, 3, 4e mois, elle peut tomber faire une dépression. La ménopause aussi peut amener à une dépression parce que c'est tout un changement hormonal. Les facteurs environnementaux, ça peut être déclenché par des situations ou par des événements qui sont stressants dans la vie, comme le décès d'un proche, un déménagement, une perte d'emploi, un divorce. Ça peut être tous des symptômes qui pourraient, toutes des choses qui pourraient vous amener à faire une dépression. L'isolation sociale, une période de conflit entre votre amoureux, amoureuse, un ami, collègue, ça peut tout jouer aussi sur le psychologique. Fait qu'environnemental psychologique, ça peut être aussi relié. Certains médicaments, il y a des médicaments qui peuvent vous amener à faire une dépression parce que des fois, on ne sait jamais comment est-ce que ça peut jouer sur une personne. Des problèmes de santé aussi, quelqu'un qui souffre d'un cancer, quelqu'un qui souffre de démence ou peu importe. Puis là, dans les temps qu'on est aujourd'hui, on vit dans une pandémie, que c'est une situation qui est totalement pas normale, qu'il y a des gens qui pourraient même faire une dépression parce que là, si c'est des gens qui sont normalement toujours entourés de personnes, qui sont toujours avec des chums, qu'ils aiment ça avoir du fun, puis ils sont au restaurant, puis que là, on ne peut plus rien faire, on est à la maison, ça peut être rough sur le système, ça peut être rough chez quelqu'un. Puis, c'est que c'est des gens qui sont toujours au gym, s'entraînent, puis que là, tu es à la maison, puis tu n'as plus rien, tu peux juste aller courir. À un moment donné, des fois, à longue, ça vient que ça peut être tout le temps la même chose. Fait qu'en tout cas, ça peut être des choses qui peuvent amener à faire une dépression. Qu'est-ce que le trouble affectif saisonnier? Ça, c'est une dépression clinique qui va se manifester dans certaines périodes de l'année. Surtout, on voit ça surtout l'hiver. Ça peut se produire d'une façon saisonnière pendant des années. Comme mettons que l'hiver, tu fais une dépression. Là, hop, on est dans le printemps, c'est correct, tu vas bien. L'hiver d'après, ça revient, cette dépression-là. Les femmes sont 8 fois plus susceptibles d'en souffrir. Puis ces troubles apparaissent lorsque les gens sont dans la vingtaine ou dans la trentaine. Ça se produit souvent parce que c'est le nombre d'heures d'une journée va diminuer. C'est quand on recule l'heure, il fait noir plus de bonheur. Puis souvent, en novembre, c'est un temps qui est plus comme, ah, tu sais, c'est plus, fait sombre, il fait froid, il mouille, il neige, on ne sait plus. Fait que ça peut commencer à partir de ces moments-là. Il va y avoir une fatigue, un manque d'énergie. Puis le monde va souvent manger aussi du comfort food, de la nourriture de confort comme pâté chinois, du thou, un ragoût, tout comme du manger chaud. Puis les gens peuvent aussi prendre des prises de poids parce que là, ils sont moins actifs, puis sont en manque de soleil. Le soleil, il y a une vitamine là-dedans qui fait que c'est bon pour le moral, c'est bon pour le système. Comment est-ce qu'on peut traiter la dépression d'un trouble affectif saisonnier? Il y a beaucoup de monde qui sait la luminothérapie. Aller aux lampes, ça peut aider aussi parce que tu vas chercher comme le faux soleil. Donc ça peut être des bonnes manières. Puis aussi que c'est très, très important de s'en occuper. Comme moi, personnellement, je déteste l'hiver. À chaque fois que c'est l'hiver, je suis tout le temps plus comme, oh, ça me tente moins. Puis je vais dire à tous les jours, je pense, à le monde qui me connaisse, oh, lick, j'aime pas l'hiver. Puis, mais pour éviter d'aller dans un trouble affectif saisonnier, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe, je fais beaucoup de planches en neige. Ça va faire 20 ans que je fais de la snowboard. Fait qu'à chaque année, je vais en faire, même s'il fait froid. C'est tout le temps le fun, aller sur la montagne, même s'il fait frais. Quand ce qui neige, normalement, on est content. Les autres font de la snowboard parce qu'on va avoir de la part d'eux, puis ça va être le fun. Et moi, quand il neige, je suis comme, oh, pas de la neige encore. Mais en tout cas, ça, c'est mon moyen de passer à travers l'hiver. Puis souvent, je m'en vais, on a une brasserie ici. Tu sais, c'est tout le temps le fun d'aller s'asseoir là. Aller aux lampes aussi, je vais aux lampes une fois par mois l'hiver, juste pour avoir un petit peu de vitamine qui me manque. Puis j'essaie de m'entraîner le plus que je peux aussi. Fait que ça, c'est des petits trucs qui peuvent vous aider que quand est-ce que vous êtes dans une période un petit peu plus difficile, ça pourrait vous aider. Qu'est-ce que la dépression postpartum? Ça, c'est qu'est-ce que je vous parlais tantôt, que les femmes à l'accouchement peuvent faire une dépression. Donc, ça consiste à des sanglots incontrôlables puis une tristesse. C'est la période initiale de bonheur va environ durer
quatre semaines, trois, quatre semaines après l'accouchement, puis les symptômes vont commencer à se manifester. Il y a au total 15 à 20 % des femmes qui vont vivre un DPP pour des longues périodes, des semaines, des mois. Tu n'as aucun plaisir, tu as zéro sentiment, tu es incertain par rapport à toi-même, comment tu vas élever ton enfant, tu n'es pas certaine si tu vas être une bonne maman, tu vas avoir un sentiment de désespoir, de culpabilité. Il va y avoir aussi une perturbation du sommeil et de l'appétit. Puis ça ne veut pas dire que la maman, elle n'aime pas son enfant. C'est juste que elle va se remettre en question. Je vais-tu être bonne pour mon enfant? Là, il va-tu m'aimer? Je vais-tu l'aimer comme qu'il devrait? Puis ça, c'est souvent parce que c'est un choc aussi hormonal. Tu viens de donner une naissance à un être humain. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont vivre une dépression postpartum, mais il y en a. Moi, j'ai connu une fille personnellement qui a accouché, elle a fait une grosse dépression. Ça a été dur sur son conjoint, mais tu sais, elle a quand même bien pris soin de son enfant, puis de son enfant, il n'a pas manqué de rien. Mais c'est ça. C'est une période très difficile pour une maman qui donne la naissance d'un bébé, puis qui vit une dépression du postpartum. Dans la dépression aussi, on a les troubles de bipolaire. On voit ça souvent que les bipolaires font des manies, fait qu'ils ont des dépressions, puis ils sont quand ils sont en période de manie, ils sont comme wouh, all over the place, puis tout va bien, puis tout est beau. Donc, c'est un trouble de l'humeur, c'est un épisode de dépression et de manie. C'est des pensées qui défilent à toute allure, c'est l'hyperactivité, de confiance et sensation de pouvoir, plus de sommeil, comportement extrême et prise de risque inutile, irritable, extrême et disposition rapide à la colère. On dit souvent, il y a des personnes des fois qui vont se choquer vite ou qui vont ils vont dire quelque chose, puis là, ils vont changer d'idée. Puis là, on dit souvent, elle doit être bipolaire, cette personne-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, mais ce n'est pas ça, être bipolaire. Être bipolaire, c'est beaucoup plus profond qu'on pense. Qu'est-ce que la personne, elle est d'une position de manie, elle va tout, mettons, elle va dire, OK, ben moi, je m'achète un bateau aujourd'hui. Là, je m'en vais à la banque, j'achète mon bateau, puis c'est tout de suite, puis je le fais. Fait que c'est important qu'une personne qui souffre de bipolarité, quand c'est bien médicamentée et bien contrôlée, quand ce n'est pas ses médicaments, parce que c'est là qu'elle va faire des épisodes de dépression puis de manie. Puis, quand ce que c'est là-dedans, mais c'est important aussi qu'elle ne soit pas seule pour que la personne puisse la raisonner, comme, hey, regarde, ton bateau à 30 000 $, là, on n'a pas d'argent pour ça, là. C'est une maladie qui va affecter l'humeur. C'est comme que je dis, une manie, c'est une humeur inhabituelle qui est élevée. Tu vois tout en grand, tu as une sensation irréaliste d'être confiant. Tu es overconfident, tu es comme trop confiant, genre. Tout va bien, tout est beau, plein de projets, puis la personne va faire ses projets, là. Mais elle va en faire cinq en même temps. Puis ça, la manie, ça peut durer une journée, deux journées, ça va dépendre. C'est d'un extrême à l'autre. La personne, elle va être sur un gros high, puis soudainement, la personne va être sur un gros down. Puis, ça éprouve beaucoup de sauts de l'humeur. Donc, quelqu'un qui souffre de bipolarité, quand il est dans son high, c'est là que ça va bien, puis c'est là qu'il se dit, moi, j'ai plus besoin de médicaments. Mais quand la personne fait ça son down, là, ça peut être beaucoup plus dangereux parce que là, elle peut réaliser que j'ai fait des erreurs, mais ça peut aussi aller au suicide. Il y a des personnes qui peuvent se penser Superman. Ils vont penser qu'ils sont capables de sauter sur le top d'un immeuble puis voler. C'est extrême de même, la manie. Puis finalement, ils vont finir par se tuer parce qu'ils l'ont fait à le building puis clairement, ils ne sont pas Superman. Donc, c'est très, très, très à watcher les troubles de bipolarité. Puis, si qu'une personne bipolaire consomme en même temps, et puis quand elle ne prend pas ses médicaments, là, c'est encore pire. Donc, ça va être le trouble de bipolarité. Comment puis-je composer avec l'humeur, dépression et avec la dépression et d'autres troubles de l'humeur? Le counseling, les médicaments, les autres options, prévention de rechute. Du counseling et du soutien, c'est très, très, très important. Si que vous êtes entouré d'une personne qui est dépressive ou qui a des troubles de l'humeur, c'est important de la guider dans des ressources comme des groupes de soutien, des gens qui ont déjà vécu une dépression. Il y en a des fois dans les communautés que c'est des gens qui vont se rencontrer, qui ont déjà vécu une telle dépression ou un tel trouble de l'humeur, ils vont s'en parler. Ça fait du bien parce que aussi ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans.
Il y a les médicaments aussi. Être médicamenté, ça peut sauver bien des choses. Je sais que ce n'est pas nécessairement la chose que tu veux, avoir des médicaments pour tout le temps, mais bon. Moi, je connais, j'ai une de mes très bonnes amies, elle souffre de dépression. Il faut qu'elle prenne ses médicaments à chaque jour. Ça l'aide beaucoup. Elle a fait beaucoup de progrès dans la dernière année. Puis, probablement qu'elle va falloir qu'elle prenne ses médicaments tout le long de sa vie ou diminuer les doses. Les autres options, il y a des gens qu'eux autres, c'est juste aller courir à chaque jour, aller au gym, tu sais, parce que comme que je dis souvent, faire de l'activité physique, ça va libérer une hormone qui est très bonne pour le bien-être puis la santé mentale. La prévention de rechute, c'est de faire sûr que la personne apprenne ses médicaments, faire sûr que c'est bien contrôlé. Tu sais, je sais qu'on ne peut pas être 24 sur 24 avec une personne, mais tu sais, des fois, juste appeler, hey, t'as-tu pris des médicaments aujourd'hui? C'est juste faire sûr, tu sais, tu préviens aussi. Puis, prévenir, mettons que la personne a fait une dépression à cause d'un événement. Faire attention que la personne, tu sais, elle vive pas le même événement ou qu'elle ne se trouve pas d'une situation qui pourrait être dangereuse pour elle. Avoir du soutien, des amis. Puis, être ami avec quelqu'un qui souffre de dépression, je vous dis, c'est très difficile. C'est difficile dans le sens que ça va manger notre énergie, puis on va penser qu'elle ne nous écoute pas, puis qu'elle ne veut rien comprendre, mais c'est pas ça, c'est tellement dur. Mais gardez pas tout non plus sur vos épaules. C'est important de la référer à des psychologues, travailleurs sociaux, à votre centre de santé mentale local, même à l'hôpital s'il faut, en psychiatrie. Les autres vont savoir quoi faire. Puis c'est important que la personne puisse parler aussi à son médecin de famille. Et le médecin de famille, c'est la première personne dont tu devrais en parler de tes problèmes. Donc, c'est ça pour ça. Comment puis-je aider un être cher? Informez-vous sur la maladie et écoutez votre personne qui est proche et qui souffre d'une maladie. Comprenez ce que l'autre ressent. Demandez-lui comment vous pouvez l'aider. Ayez des attentes réalistes. Établissez des limites, puis prenez soin de vous-même. Donc, informez-vous sur la maladie. Des fois, juste aller sur Google, checker c'est quoi les symptômes de la dépression, qu'est-ce que ça fait une dépression, puis pourquoi. Des fois, ça l'aide à comprendre bien des choses. Tu peux être avec une personne, elle est dépressive, mais tu ne sais pas vraiment que c'est une dépression, mais là, si tu vas lire là-dessus, puis comme à tous les symptômes, tu sais, à un moment donné, tu peux en parler, hey, ça va-tu? Poser la question, ça va-tu bien? Tu sais, comment est-ce que tu fais dernièrement? On dirait jouer que tu as de l'air plus sur un down. Tu devrais peut-être aller chercher de l'aide. Moi, je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. Juste lui faire comprendre à la personne, elle n'est pas toute seule. Comprenez ce qu'elle ressent. Tu sais, des fois, elle va vous dire, hey, je file de même, ça fait, je ne sais pas combien de temps. Puis, allez pas dire, ah, ça va bien aller, ça va revenir. C'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre la personne. La personne a besoin d'un réconfort. Puis c'est important aussi de ne pas dire à la personne, ah, c'est qu'une pause, puis tout le monde passe à travers de ça, puis tu n'es pas le seul. Non, la personne n'est pas toute seule. Oui, il y a des gens qui font des dépressions, mais la personne, ce n'est pas ça qu'elle a envie d'entendre. La personne, comme que je viens de dire, elle a besoin d'avoir un réconfort, elle a besoin d'avoir un soutien de votre part. Surtout si qu'elle se confie à vous, c'est parce que c'est une personne qui a confiance en vous. Demandez-lui comment fait l'aider. Tu sais, veux-tu j'aille te faire à souper à soir? Tu veux savoir? Souvent, une personne qui est dépressive ne voudra pas de visite, elle va souvent dire non, 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 je vais être seule. Mais des fois, allez juste faire un tour, juste checker in sur la personne, amenez-y un lunch que vous avez fait à partir de la maison. T'sais, juste, elle va savoir qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle peut compter sur quelqu'un. Référez-la. Si vous connaissez des psychologues ou des travailleurs sociaux, référez-la à ces personnes-là. Dites-lui, hey, comme. Tu sais, il y a des ressources dans la communauté qu'on peut aller voir ensemble. Il y a des infirmières que tu peux aller consulter aussi sans nécessairement avoir un rendez-vous. Comme que moi, je sais qu'à Edmonton, on a ça ici. On a des infirmières qui peuvent prescrire des médicaments. Puis, ils peuvent te prescrire un rendez-vous avec un médecin comme que t'es pas obligé d'attendre un an ou deux parce que, mettons, que tu n'as pas de médecin de famille. Il y a des attentes réalistes. Donc, vous n'allez pas pouvoir sauver la personne du jour au lendemain. Ça va être des vagues, ça va être des up and down, ça va être dur. Mais vous allez passer au travers de ça. Puis établissez des limites, comme que je disais tantôt, mettez pas tout sur vos épaules. À un moment donné, si ça vient trop pour vous autres, trop pesant, référez la personne, parlez-en à un de ses proches, à ses parents, grands-parents,
la personne est proche avec quelqu'un d'autre, parlez-en à cette personne-là ou référez-la à quelqu'un. Puis prenez soin de vous autres en même temps. Donc, on a des statistiques sur la dépression. Les statistiques suivantes, ça provient dans des études, des examens de recherche réalisés par le Centre de toxicomanie en santé mentale. On a le site ici. Il y a près de 3 millions de Canadiens et Canadiennes qui vont vivre une dépression prononcée, mais moins d'un tiers d'entre eux cherchent à se faire aider. Donc, il y a beaucoup de Canadiens et Canadiennes qui vont vivre un épisode de dépression, puis il y a moins d'un tiers qui va aller chercher de l'aide. Pendant leur vie, de 5 à 12% des hommes et 10 à 25% des femmes vont connaître au moins un épisode de dépression majeure. L'anxiété et la dépression comptent pour 79 de tous les diagnostics psychiatriques. 79%, c'est beaucoup. Comme des gens qui ont été en psychiatrie, qui ont été admis en psychiatrie, c'est des gens qui sont dépressifs. Des fois, on va dire que la personne elle a eu des pensées suicidaires, la personne est suicidaire, c'est pour ça qu'elle est en psychiatrie. Mais la vraie chose, c'est probablement que la personne en souffre d'une dépression. Ça va ensemble, je vous le dis. Puis il y a des gens aussi qui font des manies, ça peut être un trouble de bipolarité, mais la bipolarité et la dépression, ça va ensemble ça aussi. L'Organisation mondiale de la santé, donc OMS, prévoit qu'ici 2020, donc cette année, la dépression majeure suivra de près les maladies cardiaques comme principale cause d'invalidité dans le monde entier. Quand le monde va sur la compensation, sont invalides à travailler, ça peut être relié aussi à la dépression. Surtout que là, maintenant, en 2020, on est dans une pandémie, c'est encore plus rough. C'est rough sur la santé mentale. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de vivre et que normalement, on ne vivrait pas. C'est pas normal qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est important de prendre soin de vous autres, aller prendre de l'air, aller prendre une marche, aller faire bibi en avant de chez vos parents ou de chez vos chums, de se faire un halo, allez vous en. Ça va faire du bien, je vous dis que ça va faire du bien. Puis, essayez de penser de moins en moins négatif. C'est une période qui est temporaire. On ne sait pas dans combien de temps que ça va être fini. Fait qu'on y va le jour. Mais dites-vous que ça va finir par passer. Puis, comme on dit, ça va bien aller. Donc, c'est ça. C'est dur sur le moral. C'est très dur sur... tu sais, j'ai été moi aussi. Je ne suis pas parfaite. Des fois, que ça me prend. C'est comme, oh, il est top à quoi que j'ai c'est fini. Puis là, c'est rough. C'est tough. Mais comme que je dis, allez dehors. Marcher, faites du jardinage, au pire. Vous pouvez faire, là, c'est le temps de faire froid un peu aujourd'hui à Edmonton, je ne sais pas pour vous autres, mais c'est le temps de faire du jardinage, pousser vos cocons, vos tomates, vos carottes. C'est ça, comme, occuper votre temps. Donc, c'est ça. Mais ça va bien aller, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça pour ma présentation. J'ai fini. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, mais vous pouvez mettre vos questions dans le Q&A, je vais les répondre. Puis, dans le chat, je vais mettre aussi mon email du travail. Si jamais que vous avez besoin de n'importe quoi, vous avez des questions, vous voulez questions-réponses, je vais pouvoir vous aider. Envoyez-moi juste un email. Vous avez besoin des trucs, des conseils. Gênez-vous pas. Donc, il n'y a pas personne qui a des questions. Fait que j'imagine que ça a été clair. J'espère aussi que ça vous a fait du bien puis que vous allez être capable de surmonter l'épreuve puis que ça va, vous allez vous dire que ça va bien aller. Donc, sur ce, passez une belle après-midi, ayez une belle journée, allez dehors, allez profiter du beau temps. Puis le beau temps s'en vient, je vous le dis, là, on s'en aligne bien. Donc, c'est ça, je vais quitter la présentation. Puis, si que vous voulez répondre au sondage, bien, le sondage, il va être là. Oh, j'ai un QA ici. Comment faire quand tu as relation avec quelqu'un qui souffre de la dépression? Ça, comme que j'ai dit tantôt, ça peut être très dur. C'est dur sur le moral à quelqu'un, mais la meilleure chose à faire, c'est d'être là pour la personne, de l'écouter, mais pas tout prendre sur votre charge. Référez-la à quelqu'un. Puis si la personne a dit non, j'ai pas besoin d'aide, non, je veux pas,
Parlez-en à vos proches, parlez-en à quelqu'un. Gardez pas tout ça pour vous autres. Même si la personne vous fait confiance ou whatever, vous allez quand même probablement sauver leur vie. Moi, je dirais, appelez peut-être votre médecin de famille à vous, puis en parler. Puis la personne va pouvoir vous aider. Le médecin va pouvoir vous aider, va vous donner plein de conseils, des trucs. Puis si vous allez aussi sur notre site de la CSM, on peut avoir aussi des bons conseils. Ça pourrait bien vous aider aussi. Si la personne ne veut pas s'aider et ne veut pas ton aide, ben ça peut être aussi comme on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Oui, j'avoue. Si que la personne ne veut pas rien savoir de votre aide, à un moment donné, il y a so much que vous pouvez faire aussi. Mais, comme que je dis encore, gardez pas ça pour vous autres, parlez-en. Au moins, vous aurez fait votre part. Vous aurez fait. Qu'est-ce que vous auriez à faire? Puis si qu'il arrive n'importe quoi, ça ne sera pas de votre faute, ça ne sera pas en cause que vous n'avez rien fait. Vous avez fait quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que les enfants peuvent avoir de la dépression? Oui. Malheureusement, de nos jours, les enfants ont beaucoup de troubles d'anxiété. Les jeunes, je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes vivent de l'anxiété. Ça peut être aussi en cause des réseaux sociaux, ça peut être, il y a plein de causes là-dessus. Un enfant peut souffrir de dépression, mais ça, c'est un petit peu plus touchy, je pense. Ça dépend aussi si il y a eu un parent qui était dépressif, ça dépend de toute son enfance, qu'est-ce qu'il a vécu à l'âge, à bas âge, mais ça, c'est important d'aller consulter un médecin directement si que l'enfant souffre d'une, si vous voyez des symptômes sur l'enfant qui fait une dépression. J'ai seulement pu embarquer dans le webinaire à partir des troubles affectifs saisonniers. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Au début, j'ai parlé de la dépression, c'était quoi? J'ai parlé des symptômes. J'ai parlé des symptômes comportementaux, émotionnels. Fait que vous avez juste manqué la partie du que je parle de la dépression. Mais s'il y a quelque chose, j'ai mis mon email. Tu peux me poser des questions là-dessus, puis je vais vous répondre. Du mieux que je peux. Est-ce qu'il existe encore la ligne d'urgence? Quel est le numéro d'urgence? Oui, la ligne d'urgence, il y a le 811. C'est la même ligne du COVID, là. Mais 811, là, c'est l'urgence que tu peux appeler. Il y a aussi la ligne Chimo. Ce sera pas long, je vais juste checker mes ressources ici, là. Il y a la ligne Chimo que vous pouvez appeler, mais j'ai aussi la crise mobile que vous pouvez appeler. Je vais juste mettre le numéro pour la ligne Chimo dans le chat. OK, bon, dans le chat, il y a la ligne Chimo, c'est la ligne d'écoute. Puis j'ai aussi les crises mobiles, je vais l'écrire dans le chat aussi pour les crises mobiles. Les crises mobiles, ça, c'est les travailleurs sociaux qui aident sur le terrain. 8, 4. Donc, qu'est-ce que je viens de vous envoyer? C'est les services de crise mobile. Donc, s'il y a quelque chose, n'importe quoi, vous pouvez contacter ces lignes-là, mais il y a le 811, il y a la ligne Chimo, puis il y a le centre de santé mentale dans vos communautés aussi que vous pouvez appeler. Chez nous autres à Edmundston, il y a des travailleurs sociaux qui travaillent présentement. Est-ce que cette présentation va être sur YouTube? Oui, elle va être sur YouTube. Donc, si tu veux aller la regarder plus tard, tu peux. Puis dans le chat, il y a aussi il y a les liens, là. Il y a YouTube, puis il y a notre page de la CSM que tu peux aller voir. La crise mobile fonctionne pendant le COVID? Oui, parce que c'est un service essentiel. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. N'importe qui, n'importe quand peut vivre une... c'est quelque chose de un trouble suicidaire ou n'importe quoi. Fait que donc, on n'a pas le choix. Mais, écoute, là, je dis oui, là, parce que je sais que les travailleurs sociaux, il y en a dans la région d'Edmonton, sont actifs au centre de santé mentale. C'est eux autres qui s'occupent de la crise mobile ici. Mais si qu'il y a quelque chose, n'importe quoi, 911. Appelez 911, vous êtes sûr que vous allez avoir du service. Bien, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aimé ça et que ça a été.
enrichissant pour vous autres, puis que là, vous savez un petit peu plus c'est quoi, puis que si qu'il y a quelque chose, vous avez vos ressources, puis n'importe quoi, j'ai mon email aussi, donc si que vous voulez me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, à la fin, c'est ça, quand est-ce que je vais quitter, vous allez pouvoir répondre à un petit sondage de tête bien. Si que vous voulez le répondre, passez une belle journée, ça va bien aller, puis c'est ça, c'est vraiment le fun de vos questions, des bonnes questions aussi. Passez une belle journée! Thank you.